Avec sa bonne augmentation du prix du gaz, avec augmentation qui association de consommateurs peut demander depuis un long moment, qui besoin, qui que ce soit l'essence, que ce soit une commodité comme un gaz, le gouvernement besoin faire des efforts pour capable amener ça sous contrôle. Alors nous, en tant que parlementaires, nous posons la question. Qui est-ce qui nous capable de faire pour qui nous capable fausse gouvernement réfléchir? Qui ban outils qui nous est à notre disposition pour qui nous capable servir l'Assemblée nationale pour qui nous fausse gouvernement réfléchir? Nous fin étudier cette question là et une ban méthode pour qui nous capable fausse gouvernement corrige ce qu'il peut faire, rectifier le tir, il n'est pas trop tard. C'est amène une motion of disallowance. Parce que, quel que soit le prix du gaz, quand PSNZ, quel que soit n'importe quelle commodité, s'il passe par une regulation, sa regulation-là, nous appelons ça une delegated legislation. Ça veut dire que ce n'est pas une législation principale, c'est une delegated legislation. Et en tant que parlementaire, en tant que député, nous avons le droit de questionner est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose de raisonnable et qui nous mette au vote. Maintenant, la postérité elle est là pour décider. Est-ce que le leader of the house ou allow une motion comme ça venir ou est-ce qu'il peut agir en tant qu'un antidémocrate et retarder une motion comme ça sur présentation à l'Assemblée nationale ou refuse sa présentation. Deuxième élément, postérité pour dire l'histoire, pour rappel, est-ce que le leader of the house pour donner liberté d'action à ce bon député pour voter ou est-ce que ce bon député d'un gouvernement pour voter et ça vote là pour écrire dans l'histoire comme un coup de couteau dans les dos de la population de la part du député d'un gouvernement, d'un gouvernement MSM qui nous peut vivre, nous avons besoin de tini, ça qui a été gouvernement là. Alors nous peut réfléchis là et moi mon fin réfléchis pour penser nous pour aller de l'avant avec ce qu'ils appellent une motion of disallowance et ça débat là bizarre et le peuple bizarre appelle le gouvernement pour rendre compte qui fait qu'il n'a pas agi de façon responsable et démocrate. Mon fini connaît qui pour arriver à un moment que le premier ministre pour capable même dire que sa motion là, c'est du fait qu'il n'est pas leader de l'opposition qui nous présente cette motion-là, il n'est pas une priorité. Foutaise. C'est une excuse bidon, si il vient de l'avant avec ça. Parce que la souffrance de la population, n'importe qui député de ce pays qui est élu démocratiquement et n'a le devoir de venir de l'avant et de forcer le gouvernement à réfléchir et rectifier le tir. Ce n'est pas parce qu'il est le leader de l'opposition vis-à-vis de présente ça qu'il y en a une priorité quelconque. Et le standing orders n'a pas venu dire ça. Vous pouvez, en tant qu'avocat, réfléchir déjà comment le gouvernement pourrait défendre lui-même et vous pouvez donner l'argumentaire pour démontrer où qui ban du monde dans le gouvernement, c'est ban capon qui va pour capable faire face à la population. Et la population a ce un message pour eux. Soit nous continuer, comment nous pouvons continuer? Subir. Accepter. Laisse Jagnat faire ce qu'il a envie. Laisse ban la faire continuer. Là, on peut get photo sur Facebook pour Avin Jagnat. Pour Avin Jagnat dans l'aine. Nous content qu'il ait une invitation. Nous content qu'il ait une jolie welcome. Mais nous sommes content qu'il lui aussi lui donne la population un bon welcome quand il recevoir sa motion là et il discute ça de façon démocrate. Parce que là-bas, il a pas passé un bon moment. Mais souffrance mauricien, c'est une affaire qui est plus importante encore. Alors pour moi, ce qu'on peut dire à la population, il arrive l'air pour qu'il y décide. Soit on continue à accepter dominer, soit on continue à accepter ou pèse néné au bord de l'huile. Mais si on a envie de pèse néné au bord de l'huile, c'est au choix, c'est au droit. Mais moi, en tout cas, je suis fatigué de pèse néné au bord de l'huile. Je suis fatigué de trouver beaucoup de monde qui peut souffrir. Je suis fatigué de trouver tout le monde qui n'est pas capable de joindre les débouts. L'article peut monter, tout peut augmenter. Alors, si vous êtes capable de prendre l'argent, comme Patrick me dit, vous pouvez donner l'argent ou une camarade, vous pouvez donner l'argent ou une proche,
pour capable soi-disant sur votre business. Milliards pesos dans la caisse l'État. Milliards pesos dans ban contributeurs taxes pour taxpayer ce pays là. Mais aujourd'hui, il n'arrive là pour qu'il nous dire la population, besoin dire ce gouvernement là. Il n'arrive là pour Djibout, il n'arrive là pour prendre compte, il n'arrive là pour réagir. Il n'arrive là pour qu'ils aient documents dans les autres pays. Bizin et n'a pas une action qui nous prend et nous peut réfléchir là. Une action forceful qui a fait le gouvernement reculer, marcher arrière lorsqu'il peut faire. Nous ne sommes pas capables de continuer comme ça. Merci.